Matthieu, nous déclarons que tu es mort avec Christ et ressuscité avec lui et nous te baptisons au nom de Jésus. Seigneur, nous prions maintenant que ton Saint-Esprit t'accompagne pour les jours de sa vie. Nous prions, Seigneur, que cette eau dans laquelle il est entré puisse purifier toute sa vie, changer toute sa vie. Nous prions qu'il devienne une nouvelle personne et qu'il te serve à toi. Merci, Seigneur. Fais-lui don de ton esprit. Fais-lui don du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit l'accompagne en tout cas. Seigneur, je prie maintenant que tu changes et que tu transformes ce peuple afin qu'il devienne une nouvelle création. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur te bénisse. Le frère Matthieu baptisé au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Jésus. 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 Alléluia.
Jésus. Alléluia. Mon frère, sois en joie. Ne sois pas parce que je suis triste ou fatigué. Afin que tes pieds ne heurtent contre aucune pierre. Élevons
encore. N'ayez pas peur. C'est l'eau. Seigneur, c'est Dieu. Non, elle dit qu'elle est en train de cueillir mon bois, quoi. Dans le ciel, là, elle va donner une approche du bien. Non, ça va passer. Maman, viens. Comment ça va? Non, c'est pas son nom. Mon nom, c'est appelez Marie, mère de Dieu. Comme vous pouvez l'appeler Noémie, qui se versait du sang, on va changer ça. Et c'est comme ça que vous êtes Marie, la mère de Jésus. Vous devez savoir que vous avez une grande charge quand vous dites Marie, Marie de Jésus, c'est-à-dire la mère de Jésus. Marie qui a enfanté Jésus, c'est à elle qu'on vous identifie. Parce qu'il y a plusieurs Marie, Marie de Magdala, Marie Magdala. Tandis que vous êtes portés de gloire, Jésus est un enfant de gloire. Et vous devez vraiment être une femme modèle, même si vous êtes à la maison. Je crois que ce n'est pas beaucoup important. Il faut chercher à ressembler à Marie. Marie est une femme soumise, une femme qui honore Dieu, qui reste à la maison. Amen. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous fasse à travers ce baptême? Est-ce que vous aussi vous voulez faire un gift de reconnaissance? Ça nous aide à bien plonger.
Mais ça reste. Ah là dedans. C'est ah, vrai. Ah. Jésus. Et maintenant tu commences à le voir. Je prie que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que tu vois désormais le Seigneur comme tu l'as demandé, que tu entends sa parole comme tu l'as demandé. Je prie que rien ne te soit plus caché, que les choses te soient maintenant visibles. Que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles entendent. Maintenant, au nom de Jésus, merci Seigneur. Je te mets maintenant les armes du combat, le casque de salut, l'armure de justice, la ceinture de vérité, à ta hanche, les chaussures, les ailes de l'évangile à tes pieds, le bouclier de la foi à ta main et l'épée de l'esprit à ta droite, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, chers, si tu as un peu de l'eau, que ça passe. L'enchant est sur elle. Alléluia, Jésus. C'est bon. C'est bon. Et que tu es Alpha et Omega.
La population a ton corps. Il est venu pour nous sauver. Jésus, c'est Jésus. Le nom de Jésus a fait des saluts. C'est Jésus, le seul nom qui soit donné aux hommes qui soient sauvés. Ce n'est pas un fétiche. Ce n'est pas des idoles. C'est Jésus, le seul nom. C'est ton créateur. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Seigneur pour votre vie et tout ce qu'il est en train de faire. Nous sommes passés à un autre niveau. Vous êtes passé maintenant à l'autre bord, ou bien à l'autre rive. Et aujourd'hui, le Seigneur vous a introduit dans le baptême. Le baptême, c'est quoi? C'est un signe visible par lequel vous dites à Dieu lui-même, vous dites au monde entier que vous avez accepté Jésus. Vous avez accepté souvent Jésus. Le baptême, c'est que de
ces 40 jours, tu as été tenté. Seigneur, ils ont accepté de poser leur pas dans l'empreinte, dans leur pied, dans l'empreinte de quelque part. Seigneur, dans leur traversée du désert, sois avec chacun d'eux. Fortifie chacun d'eux. Seigneur, donne la grâce d'être victorieux dans les tentations qui se présenteront à eux. Et apprends-leur à aimer avoir des propos, la vie de prière, Amen. La méditation de ta parole. Amen. Car ce n'est pas la parole que tu as est arrivée à vaincre l'ennemi. Amen. Donne la grâce d'aimer, de méditer cette parole par laquelle ils auront la victoire sur l'ennemi. Seigneur, merci Jésus. Nous voulons les voir au terme de leur vie sur cette terre. Dans ta voix, Seigneur, soutiens-les, fortifie-les. Seigneur Dieu, tout le temps confie tes serviteurs par lesquels tu as utilisé pour les faire passer par les sons. Seigneur, fortifie-les. Révèle ta force. Donne la grâce, Seigneur, d'être à ton service à chaque instant. Nous te disons merci pour le retour. Amen. Yes.